Symbole de la restauration rapide outre-Atlantique, le burger s'est peu à peu francisé. Et cette année, il va même se régionaliser. À Alkirch, Omar, gérant de l'Escale Burger, participe pour la deuxième fois au concours du meilleur burger français. Originaire du Haut-Rhin, il souhaite faire un clin d'œil à sa région avec sa recette baptisée l'Orinois. Donc on a voulu faire un petit jeu de mots avec le O, avec l'accent circonflexe et Orinois, pour rappeler le Haut-Rhin. Puis voilà, donc le fromage est de Münster. Le boulanger, c'est notre boulanger local qui nous a fait le pain. Le boucher, pareil, c'est un boucher local avec qui on travaille. Donc là, on est 100% Orinois, quoi. Après avoir terminé dans les 40 premiers sur plus de 300 concurrents, il compte faire mieux cette année. 3 mois ont été nécessaires pour élaborer sa recette, pour avoir le bon pain et les bons ingrédients. L'idée, avoir un burger gourmand et équilibré. C'est une alliance de goûts, c'est important. Donc on a vraiment voulu faire un burger qui soit assez équilibré, assez goûtu. Que ce soit dans la texture, que ce soit vraiment dans l'équilibre, que ce soit pour le pain, que ce soit pour la sauce, que ce soit pour les ingrédients qu'on a utilisés. On a vraiment voulu faire en sorte que tout soit équilibré pour qu'on ait le maximum de saveur. Ainsi, avec l'originalité de son pain bicolore fait de cumin et de charbon végétal et ses produits locaux, il compte bien surprendre et ramener la coupe à la maison. Mais il n'est pas le seul concurrent régional au Casino Barrière de Blotzheim, c'est toute une équipe qui présentera son Casbar Burger. C'est vraiment un projet d'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas une personne. Alors il fallait une personne physiquement qui va préparer le concours. Ça, c'est le concours qui le définit comme ça. Donc cette année, c'est Nicolas Gisler qui travaille chez nous et qui a également assisté la personne qui a préparé le concours l'année dernière. Le burger est déjà une des spécialités de l'établissement qui en vend 500 chaque week-end. Cette nouvelle recette sera intégrée à la carte dès la fin du concours. La démarche éco-responsable avec la limitation du gaspillage et l'approvisionnement de proximité est aussi un élément clé pour remporter la compétition. On a voulu une recette vraiment alsacienne. Ça va du pain jusqu'à tous les ingrédients et de saison, puisqu'on a la sauce bibalacas, on a la livèche, vous avez de la tomwelsch donc au pinot gris, et puis vous avez également le chou rouge déglacé au Melfort, avec des oignons jaunes de Mulhouse, donc c'est difficile de faire plus alsacien. À quelques jours de la finale, c'est le moment des derniers préparatifs. Après quelques tests, le cuisinier doit encore maîtriser le chronomètre. L'enjeu, cuisiner 3 burgers identiques en 25 minutes.